Messieurs, dames, et la famille, la société, et tous les amis, frères, accès, compatriotes, moyens, et tous les collaborateurs qui connectent dans tout partout dans le monde, bonjour, bonsoir pour nous toutes, comment nous y est? Et si nous regardons la vidéo, c'est que nous en forme, malgré tout problème, toute calamité la vie, nous disons bonjour dans celle-là, à toutes nos chansons, merci parce que vous faites nos cadeaux, vos nouveaux jours en plus. Nami Kwa, c'est toujours serviteur, nous amis, nous merci Dieu, moins content pour nous capables ensemble avec nous. Jeudi, c'est lundi, nous levons lundi qui 27 février. Toute équipe là à la Ronde Baden, nous comptons rentrer la caillou, nous pourrons partager avec vous toute information, toute nouvelle qui a bouleversé la ville pays d'Haïti. Nous portons pour le journal créole Méga Matin, j'en nous tous nous connaissons Méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien sous la Tébéni. Mais bien avant, nous connecter avec cette nouvelle là, n'apprend une petite pause publicitaire. Anti-stress disco 509, c'est un disco haïtien fait pour haïtien, dans un espace attrayant, confortable, fait à coup bande à petit bébé, côté tout le monde capable enjoy autant de belles musiques, couler toutes sortes de bressons, ou t'es capable de jouer en Haïti, y'a tout disponible dans Anti-stress disco 509, qui trouve le Santo Domingo Nolte Villa Primavera, dans troisième entrée, Piro Cimetière La Victoria, ou même qui t'a remé organisé anniversaire de naissance, quel que soit événement, contactez-nous dans 849 268 0401 Antistress Disco 509, yon disco haïtien pour haïtien. 5h du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Vous connaissez tout ce qui a passé dans la province, dans la prise, dans la diaspora, à tout l'autre côté sous la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité, son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous baillons plus d'informations de tout l'autre côté. Studio Pétionville. Nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Jeudi, c'est le 27 février 2023. Bonjour, bonsoir le monde. Content pour nous banon. Premier barrette, journal Méga Matin sur Antenne Radio Méga pour ce maintenant. Déjà, nous souhaitons tout le monde un très bon lundi et puis une très très bonne semaine d'information accompagnée Antenne Radio Méga. Bonjour, bonsoir avec Marcel Joseph Café Travet et que vous en Haïti. Pour la tri et collaborateur aux États-Unis. Bonjour, bonsoir, Jean-Willer Sévère. Bon la journée lundi et puis très bonne semaine d'information, messieurs. Bonjour, Blaise Peterson. Bonjour, Marcel Joseph. Bonjour, bonsoir tout le monde. Quel problème qui vous développez dans le journal là pour matin et lundi ici là, voire continuer à lever pour ma délibération, docteur Gentil-Fils Exalus. Organisation Stop Accident exige et libération coordonnateur national, docteur Exatus. Exalus, ça vous dit bien, présenté comme un médecin et café social en pays. Énième médecin, bandit kidnappé dans Port-au-Prince, ça qui inquiétait l'association médicale haïtienne, c'est qu'un médecin kidnappé dans deux dernières semaines, selon le secrétaire général AMH, là, Ardouin Luchol. 69 personnes mourir, 83 blessés, c'est bilan de Nations Unies et présenté sous la violence gang, dans le développement de la Tibonite, Binu Diopi, et qui est toujours avec vitesse gang, rive contrôlé, développement ça, qui a un gros impact sur le pays. Fidèle Ludor, le gouvernement, communauté internationale, responsable. Un phénomène de sécurité en d'un pays, un dirigeant politique l'a dit qu'il y a gros doute. Parole qui fait croyant force militaire internationale a venu retirer un pays en un problème lié. Une délégation CARICOM qui est en tête les premiers ministres Jamaïque là, Andrew Hollis, a privé d'un pays à journée lundi. Délégation ça a pour rencontrer premier ministre Ariel Henry, membre HCTO pour discuter ce que ce pays a fait face à dernier temps. Fondation Douamoun sans frontières continue de dénoncer l'égalité des sanctions pays Canada après contre certaines personnalités haïtiennes. Aucun citoyen n'a pas condamné, ça n'a pas jamais passé devant juge, selon la Fondation Douamoun sans frontières. Organisation citoyenne, protection citoyenne,
OPS organisé vendredi en forum sous droit santé mentale en baptême. Communication sur impact conflit violence sous santé mentale femme à Katikio. Activité ça rentrer dans le cadre d'un projet qui visait contribuer dans la réduction violence communautaire, dans renforcer leadership social. Jeune femme qui victime conflit dans l'idée pour jeune bien-être psychosocial et santé mentale. Responsable dans OPC et fait qu'on est là. Femme active victime dans la question santé mentale, surtout dans le quartier populaire, côté insécurité. Abtaïbanda, nous allons venir avec détail sur ça avec un responsable OPC. Pour essayer de divers autres calfaits essentiels, pour nous dire premier paraître, journal Méga Matin pour semaine, non, mais pour matin lundi 27 février 2023. Nous avons l'ouvrir journal avec rubrique traversée. Nous allons connaître ce que nous avons traversé dans différentes zones, régions métropolitaines à Port-au-Prince pour matin. Avec Abdias Aristide, nous avons une week prix manger puis nous avons porté pour week capsule santé. Nous allons connaître combien de gouttes nous avons besoin pour $1 américain. Et nous avons journal là, c'est pour la rubrique météorologique là, avec Jean Willer Sévère. Restez là, pas tout matin, bouton radio ou sur Radio Méga. Vous pourrez suivre journal Méga Matin pour matin lundi d'ici là. Nous allons retourner dans quelques secondes. J'ai toujours dit là, le journal Méga Matin, c'est une nouvelle nouvelle. N'a pas tourné. Avec quelques informations qui sont importantes. Puis là, avant que nous rejoignions nos collaborateurs, nous avons gardé ça dans le côté. Nous apprenons là, pour jeudi lundi, qui c'est exactement 27 janvier 2023, Tadoué en délégation CARICOM qui Tadoué rentré en Haïti. Délégation ça, Kabgenate, les premiers ministres pays Jamaïque, Andy Andrew Orleis, côté, Yopral Gebouchita parlé avec différents acteurs dans payant, il y a qui peut parler avec acteurs dans la société civile là. D'abord, il y a qui peut parler avec membre gouvernement. Nous connaissons qui gagne comme chef lycée docteur Ariel Henry. Il y a qui peut parler avec membre au conseil transition. Nous connaissons qui gagne trois membres là-dedans, Mirlat Hippolyte Maniga, Laurent Sincier, aka Pasteur Calix Fleuridor. Il y a qui peut parler tout avec deux mounes organisations droits humains. Il y a parlé avec mounes société civile. Là. C'est parmi acteurs, ça y a qui peut parler ensemble avec eux pour chita garder, discuter sous crise pays a fait face. Là. Jeune dire délégation CARICOM a arrivé dans le pays à lundi qui c'est 27 février 2023. Je vous dis en même, selon ça qui est annoncé par le Premier ministre, Zaf étranger trinidadien à mairie, mais et décision ça prend un dit dans cadre rencontre qui était faite nous connaît la fois passée des gagné 44e réunion chef l'état que gouvernement et CARICOM dans pays Bahamas qui était organisé, mais premier ministre Ariel Henry les mêmes qui était participé et bien qui était et profité rencontrer tout dans cadre 44e sommet et chef l'état que gouvernement CARICOM qui était profité rencontrer avec 10 différents homologues, les différents premiers ministres dans le pays, côté où ils ont discuté sur ensemble en pile problème que Haïti a fait face et sa capacité dans la région 1. Nan fait qu'on est pas dans la visite ça qu'a fait bon côté délégation CARICOM non. Je ne t'ai dit tout à l'heure que Pouchita parlait avec un représentant secteur privé affaires paysan, société civile non. Et que Pouchita parlait tout avec deux monde qui dans secteur droits humains. Membre au conseil transition ACT. Délégation ça, c'est premier ministre jamaïcain Andrew Orleis Kabge Poumeneli. Et de l'autre côté, toi, premier ministre des affaires étrangères Kamina G. Smith, qui a accompagné avec plusieurs autres officiels dans CARICOM et puis représentant pays Canada, et tout qui a fait partie délégation ça, qui a rentré jeudi à dans le pays d'Haïti, qui c'est lundi 27 février 2023. Nous avons toujours été continuer avec information. Le temps pour nous capables de faire contact avec collaborateurs pour capable dire est-ce que nous sommes capables de traverser sans difficulté. Nous avons aller à association médecins qui levé voile pour demander non seulement stop accident, mais association médecin, mais nous avons d'abord question coup de filet. La police continue à faire. Nous prenons avec un membre gang 400 Marozo, mais la police posait la patte sous lui. Nous pourrions venir avec information, nouveau coup de filet pour PNH, un membre gang 400 Marozo, mais la police a posé la patte sous lui. Membre organisation criminelle dénommée 400 Marozo, qui c'est membre ça, qui c'est Doris Roosevelt, mais la police a arrêté là.
21 février passé à la zone Chanmas, plus précisément devant local base Udmoa. Ligue 39 l'année, l'issotie Port-au-Prince, Roosevelt, jeune arrestation pour implication présumée dans plusieurs cas, enlèvement, assassinat, vol avec armes et bien association en malfaiteur. Toujours question la police nationale d'Haïti qui décide de mettre la terre pour couper action bandiola. N'a fait qu'on ait gagné un certain de John Peterson Moïse, alias Johnny, qui s'est nég commune à Lester, qui sorti dans le département de la Tibonite, et mais qui monsieur là, qui s'est un membre actif au groupe gang base à Rosenberg qui a opéré dans zone ça. Mais groupe gang base Rosenberg là, c'est un certain de Patrick qui a dit Patrick ainsi connu. Mais la police qui n'a boucanté Koubal avec John Peterson Moïse. Non? Monsieur qui tombait samedi qui c'est 25 février 2023. Peterson Moïse, qui est même la police a cherché, monsieur t'a couché fou. Il a reproché individu ça parce que monsieur impliqué dans divers actes kidnapping, volés affaires monde, détourné camion marchandise et puis association malfectée, selon ça qui dit bon côté, force le Dieu qui tape chercher et John Peterson, monsieur qui a bail problème sérieusement là, mais plus jamais, monsieur Pape jamais fait ça encore parce que la police n'a beaucoup de coups avec monsieur. Monsieur va aller à bien essentiel samedi qui était exactement et samedi qui était 25 février 2023. J'en t'ai dit, on t'a gardé information, yo, quelques informations toujours, surtout pendant le week-end en opération, la police mène bandit qui tombait, mais non prêt à possible avec l'autre collaborateur. Tenu dans le cadre d'information pendant que n'a fait rappel sous son déjà partagé avec auditoire là côté déjà gardé ensemble avec you avec délégation ça délégation CARICOM ça cap gué pour entrer dans le pays en jeudi an, pour que Yoshita parler avec différents secteurs en dedans la vie nationale là, mais d'abord avec représentant bien membre gouvernement qui gagne en tête li docteur Ariel Henry, une délégation CARICOM qui a gué pour en Haïti matin lundi 27 février 2023, selon ça qui est annoncé et bon côté ministre des Affaires étrangères trinidadien à Mairie. Cette décision ça lui-même en prend. En dehors, rencontre qui était faite 44e sommet, chef l'État et gouvernement CARICOM qui était faite dans le Bahamas, oui, semaine passée. Premier ministre Ariel Henry lui-même qui était participé dans le cadre sommet ça, qui a parlé avec quatre homologues, les quatre premiers ministres dans la région 1, pour la visite à la délégation CARICOM, ça a été fait en Haïti. Il a parlé avec représentants de différents secteurs, différents membres dans le secteur privé et société civile, là, tout secteur droits humains, membre au conseil transition. Je t'ai parlé avec différents acteurs. Si là, délégation, ça, c'est premier ministre jamaïcain Andrew Hollis qui a mené le cap dans la délégation. Ça, pendant tout, il y a l'autre dirigeant de notre pays qui est présent, le premier ministre des Affaires étrangères Kamina G. Smith, qui a pu accompagner plusieurs autres officiels CARICOM, qui a gagné tout représentant pays Canada, qui a mené la délégation, si là, qui a rentré à Haïti pour matin lundi 27 février 2023. On allait dans la question arrestation, nous avons commencé par information, nous avons pas poursuivi avec arrestation la police fait ou bien la police qui est stoppé bandit. Un commissaire gouvernement NIP, Ernest Muscadet, qui procédait à l'arrestation de présumés bandits samedi 25 février 2023 de présumés bandits ça commissaire gouvernement dans NIP Jean-Ernest Muscadet arrêté dans un autobus qui fait trajet de Port-au-Prince Jérémy c'est Mackenlove Joseph alias Betnandlo ak bien-aimé Johnny alias Pimanchin individu ça selon commissaire gouvernement gen lien avec gang armé qui a opéré dans cabaret avec zone pour Lafito. La police nationale d'Haïti a annoncé là sur page Facebook que Jean-Lord Vilcapaïsien a arrêté un certain de Benji et Chéri pour diverses infractions reprochées. Monsieur, tant qu'on escroquerie avec usurpation d'identité, usurpation de titre. La police a cherché Benji Chéri là depuis plusieurs jours là pour un pile chef accusation que reproché monsieur tant qu'on habite de confiance à escroquerie 24 février 2023. Jean-Lord Dio finalement posé la patte sous tout ça dans deuxième
deuxième ville paysan. Mais Benji Chéri, qui a 31 l'année, qui fait être li passé pour un médecin, là-bas, mon faux document médical avec faux document médical là-bas, divers citoyens dans la zone ça. Monsieur tous les mêmes qui fait être li passé pour un agent voyage, qui gagne agence, qui a poussé mon document voyage pour mon cas aller à l'étranger. Mais toutefois, là, monsieur pas jamais qu'à arriver à les promesses, les salles fermes, on prend l'argent dans la main, moun, ça, surtout dans la question voyage, elle pas jamais qu'à bailler document, pas jamais qu'à faire rien. La police nationale d'Haïti pose la patte à ce monsieur pour le faire qu'on ait été recevoir 17 plaintes qui ont été déposées contre citoyens ça. Mais la police qui était là, qui était en coucou, j'ai la guédé, monsieur, il finit par jeûner et il a posé la patte sur lui pour qu'on ait citoyen sacré les Benji Chérian qui a 31 l'année, l'a réfléchi des quatre murailles, bon côté autorité, non niveau la justice dans la ville cap haïtien qui a cherché monsieur qui a un problème qui a fait li passer pour médecin pour une qui gagne agence de voyage c'est tête chargée net tout ça qui a un problème en pile par rapport avec question si la grande association médicale haïtienne qui dénonçait ces risques qui a kidnapping qui a fait en d'un pays côté jeudi à là il fait qu'on est médecin yo qui presque tournait si babandio par un goût de l'esco par rapport avec Zak kidnapping qui a fait sur la association médicale haïtienne dénoncé Zak kidnapping à répétition qui a fait des fêtes à ce médecin yo mais kidnapper qui prend médecin possible dernier temps si la yo au moins et bien 5 professionnels santé qui kidnappé pendant des dernières semaines si la yo directeur communication ministère santé publique à la population docteur Gentifice Exalus qui lui-même trouvé le jusqu'à présent non mais ravi sérieux selon ça qui dit mais situation ça qui inquiétait en pile association médicale haïtienne qui est mandé avec autorité concernée pour prendre disposition pour arriver freiner situation ça je t'ai parlé ensemble avec Andy secrétaire général AMH l'association médicale Andy médecin haïtien docteur Adrien Luchal qui estimait ravi sérieux pour jeudi en qui continue à kidnapper moun, kidnapper médecin yo, ça qui vient qu'on gros vent panique en dans secteur ça. Voilà, docteur Ardouin Luchal, fait qu'on est médecin au wagon goût de l'esco, son métier sacerdoce, qui est fait seulement d'Hippocrate, qui a là pour bail soin, sans goût d'accompagner moun qui pi mal yo. Maintenant, ça, faut que ravisse yo, camper sous genre de pratique ça, qui est sur kidnapping, qui est sur criminalité, mais surtout tout, bah, et médecin qui a kidnappé, qui va pas bon, en d'un pays. N'a toujours été avec un autre qui a sorti bon côté et secteur ça pour dénoncer phénomène kidnapping dans tout. Gain stop accident qui sorti un communiqué pour capable demander libération. Docteur Exalus qui c'est coordonnateur national et c'est ici là non bah au bien rapide ça qui écrit dans un communiqué de presse depuis 4 jours formé docteur Exalus privé de présence li 4 jours depuis camarade Lyon stop accident abtan libération là. Il était kidnappé mercredi 22 février 2023, coordonnateur national, nous, toujours dans la main, ravisseur, nous conscients, force, engagement, coordonnateur, nous, take by, pour capable sauver plusieurs vies dans le pays d'Haïti. Stop accident, on a lancé appel à quelle libération sans condition, docteur Exalus. Li était un monde qui était tout lui-même dans le combat pour capable réduire nos accidents qui a fait sur route en Haïti. Li a été joué un rôle important, rôle promoteur, campagne, don sang pour capable sauver vie en Haïti. Docteur Exalus a été baillé tout lui-même, corps et âme, de manière bénévole. Stop accident, réitéré volonté pour capable accomplir mission pour l'accompagner population haïtienne. Pour mon qui s'y en bas communiqué, si là, c'est docteur Cassandra Milor Michel, qui c'est secrétaire général. N'a toujours été dans la question, Zach, la criminalité qu'a faite en d'un pays, puisse passer 10 jours après, bandit kidnappé. Trois fidèles, première église, Baptiste, rue de la Réunion, Port-au-Prince, mais ils toujours dans mes ravisseurs, malgré yon premier versement, mais malgré l'argent qui va déjà, mais l'église a qu'à famille otage. Ça y est, jusqu'à présent, pas de nouvelles. Environ 2 semaines après, bandit et fin kidnappé, on a ça, fidèle église, fidèle la première église, Baptiste, rue de la Réunion, lancé là, ils ont cri et d'alarme, beaucoup de ravisseurs pour libérer mon silaio, mais plusieurs proches, 3 frères et qui étaient kidnappés là. Dans la première église, à Baptiste de la Réunion, ils ont continué à lancer message SOS à Crédalab.
dans zone ravisseyo pour libérer mais otage libérer Fidel Sayo parce que déjà ben en premier somme l'agent 10 jours déjà yo pour que j'aime libérer et dernier temps s'il a presque pas de nouvelles mon silayo n'a fait qu'on est pastorat première église à Baptiste de la Réunion et continue exiger libération sa condition Fidel Sayo mais pendant l'annoncer mais il y a pas possible avec réunion prière pour délivrance Haïti dimanche qui était 26 février hein, mais culte l'a été déroulé dans une atmosphère spécialement côté il était levé otage dans la prière et il était levé Haïti tous les mêmes dans situation qu'il a fait face jeudi en d'après ça que nous apprenons comme information 10 jours plus passé déjà mais trois fidèles les premières églises Baptiste de la Réunion, yo toujours nommé Ravisseyo, malgré gain l'argent qui baille pour libération de Mounsa, yo yo poko jam libéré. N'a toujours été sous dossier insécurité, gain 69 moun qui mourit, 83 blessés. C'est bilan Nations Unies présenté sous violence gang yo dans le département la Tibonite. Binu dit yo puis inquiété toujours à vitesse gang yo vient contrôler le département ça qui gagne gros impact sur pays. Yannou Baou, bien rapide, yon résumé sous bilan ça, et binu présenté dans le cadre phénomène. Sécurité dans le département à la Tibonite. Jean nous dit que pour Pipiti, 69 personnes qui mourent, à 63 les autres qui blessent à balle dans le département la Tibonite, sorti mois d'octobre 2022 pour jour que je n'ai aujourd'hui. Le bureau intégré des Nations Unies dans le pays d'Haïti exprime qu'il est face à la violence base à grand griffe dans sa vieille localité dans la Tibonite, fait sous population dans le département la Tibonite. Là, depuis mois d'octobre 2022, population, localité, vallée la Tibonite. Victime augmentation violence gang à Kazamio d'après un communiqué ONU pour Pipiti 69 assassiné à Gbal et puis 83 sorti blessé. Sorti octobre 2022, arrivé journée aujourd'hui selon un rapport ONU qui fait qu'on est Gagnon Simela Perez, la caille population côté volé, assassiné, kidnappé, détourné camion marchandise et puis violé femme actifi dans la commune Liancourt, Verrette, petite rivière de la Tibonite à Lester. Organisation rappelée plus proche à Zach Violation fête 25 janvier. Les gangs Basgar Griffe lancé plusieurs attaques contre sous-commissariat Liancourt côté 7 policiers assassinés. Même jour et puis dans la nuit, mercredi 8 pour l'ouvrir 9 février 2023 dans la commune Verrette, département la Tibonite, plus précisément dans la localité des Chapelles. Pour Pipiti 8, mon assassiné à balle et puis environ une dizaine d'autres sont blessés pendant une attaque à même gang ça. La même attaque ça, 18 mon kidnappé, une cinquantaine qui est pillé. Avec plusieurs milliers de monde qui étaient caillou pour sauver Poyo. Bureau intégré Nations Unies condamné à toute force l'Isaac et violence à Badio pendant le mandat d'autorité dans l'État pour protéger vie avec bien habitants dans la région et puis traîner devant la justice. Tout n'est exam comme si la troublée dans la population. N'a toujours été avec question Zaka insécurité. En pilote a réagi. Nous allons venir avec réaction. Une responsable plateforme politique Chimé Délivrance qui s'est disque à Jélisé. Mais Chimé Délivrance a dénoncé climat insécurité, captaille bandane en pays en devant. Irresponsabilité autorité. C'est disque à Jélisé et cruelté prévisible Ariel Henry ACT ça. Pas d'après le régler en sérieux. Un mois après. Au conseil, un constat prouvé, il y a marqué pas sous place pendant la population les mêmes à mourir en babal bandit. Avant longtemps, un pays après levé campé contre un dirigeant Mafou Messayo, selon un dirigeant politique Sila, en côté Céliscar Jean-Élysée. Le petit grand monde qui vient d'être le docteur Ariel Henry, docteur Milan Maniga, Rosemont Bradel et Alex Lassem, pas qu'être le petit grand monde qui vient